Deuxième séance. Ouais, voici Captain Fleur de l'Est. Plus que nous sommes dans nos champions, ça se trouve pour une nouvelle aventure sur Zelda Breath of the Wild. Dans la dernière vidéo, nous sommes enfin rendus ici. Ouais, au domaine Zora. T'as fait prêt, hein? Mais là. Où qu'il faut aller? Justement, on va aller là parce que je savais qu'il y avait un coffre. Je ne sais pas de quoi je vais pas jouer. Des rubis, sans rubis. On va aller continuer ce que nous sommes supposés de faire. Aller chercher des flèches électriques ou que les lignes. Ah ouais, je préfère ceci avant de partir. Je sais qu'il y avait une épée, sinon je sais plus c'est lequel par contre. Bah, c'est une lance Zora ça, ce que je sache. Je pense que je fais cette épée là. Bon, allons-y. Force de pression. C'est ça qui arrive quand on est trop. Ah oui. Ok. Ben c'est ça qui arrive quand on est trop. On joue pas pendant un bout. Ça c'est très bon, c'est ce que je viens de faire. Vraiment une excellente idée. Yes. Ouais. Que commentaire. Oh, on va recommencer ça que convenablement. Sans me tuer. J'ai besoin de ceci. Là. Ah, c'est pas du piège. Je suis trompé, c'est cette affaire là, je savais. Il y a un mécanisme qui a arrêté le tout. Faut pas oublier que j'en ai que trois. Que je peux utiliser. Ça, c'est mon deuxième. Bon, il est pas trop lourd. Ok. Oh.
mettre solo pour l'instant. Au moins, qu'est-ce qui est bien, c'est qu'une fois rentré là, en haut, on est correct au moins. Ouais, le mécanisme s'est arrêté. Ça, c'est ce qui est bien. Faut que je saute comme cela. Hey. Comment qu'on se fait pour se sacrifier? Pas évident, hein? Je vais l'avoir du gazon du premier coup. Là, c'est bloqué, c'est bien normal. C'est ici qu'il va être critique, malheureusement. Hey, comment qu'on bouffe? Bon. Pourquoi qu'il le pousse pas correctement? C'est compliqué que ça. Oui. Ah!
sais pas été vite. J'ai eu du premier coup quand même. J'ai cherché le coffre là. Faut pas dire le contraire du premier coup. Ouais, question là. Ça a été. Ça a été long peut-être, mais ça c'est une autre histoire. Au moins j'ai eu du premier coup. Ouais, pensez quand c'est cool. Une deuxième lance Zora. Oh, enfin fini. Ça c'est fait. Bon, on voit une linelle, cette affaire. Allons-y. Ok, je vais vraiment dans le sens pour monter. Eh ben. Je suis pas loin du linel. Voici une flèche électrique. Attends pas de vaincre le linel, faut le tout de suite là. Il est parti. C'est-à-dire qu'il faudrait tout ce que je photographie. Il y en aurait pour un petit bout de photographie. Tant pour moi de ça avec les photographies. Même en règle générale, je prends pas tant de photos, même en règle générale. Je sais. Je suis malade. J'ai des flèches électriques, je peux l'affronter. Je suis malade de l'affronter. J'avoue que c'est ça qu'il faudrait juste que je monte sur son dos, c'est tout, mais quand même. Je sais que ça me tente de l'affronter, cette linelle-là. Comment qu'on marche prudemment? Ça serait plus difficile que prévu. Comment que j'ai fait ça la dernière fois?
Non, c'est plus. Même si pire. Il va pas, je comprends pas. Ah, il m'a eu. Il a fait Iris à me voir. C'est quand même pris du temps. Là, on peut pas dire le contraire. Il y a un certain délai. Non, il y en a là aussi. C'est ça que je vais pas bien regarder ces armes. J'en ai 7, puis m'en faut combien déjà? Une vingtaine? Non, je sais plus. Un petit bout de ça, puis ça me tente pas d'écouter ma vidéo. Bon, je m'y rends plus tard, mais pas là. Là pour l'instant. Concentre à attraper ceci. Il est là. Tranquillement, pas vite. Pas le tour de ça. Quand même loin. Bon, je peux que venir jusque là. S'il y en a d'autres. Si je viens jusque là, je m'attends pas à ça. Ouais. Ça nous prend combien déjà? C'est 20 flèches. Thank you.
Ah, il me voit. Je suis bien trop loin pour lui. Ah, t'es pas pour ces flèches par contre. Guerrier Zora, pouvez-vous prouver votre courage en plongeant dans le lac de barrage? Est-ce une bonne idée? Moi je dis que non. Moi je dis qu'il faut retourner, faut aller directement au domaine Zora. Tu vas aller voir le prince Sidon. Bon travail! Tu es digne de ta réputation, Link, eh bien. Allons apaiser cette créature! Et que je suis! En avant! Regarde le dos de l'agresseur divine. Tu vois ces dispositifs numéraux, c'est eux qui faut viser avec des flèches électriques. Grâce à ton armure Zora, tu as le pouvoir de remonter les cascades. Je vais t'emmener auprès de la créature divine sourde en remontant une des cascades vite et tire. Tu peux y arriver, j'ai foi en toi. Allez, monte sur mon dos. Qu'est-ce que qui est très con, ça n'a pas un problème, ça te pose un problème? Eh, viens. Dans l'eau, je suis inégalable. Vous t'avez vu notre présence devant nous autant une inversure pour votre coquille. Je trouve ça super heureux de jouer. J'étais quand même mal préparé. Si je me suis dit, c'est pas grave. De la classe. Oui, bah c'est plus facile. C'est bien beau ça.
quoi? C'est bien beau ça, j'avais pas mis les flèches électriques. C'est correct, je vais recommencer. C'est bien correct pour moi. J'étais pas bien préparé. Fais ça, mon Dieu. On va mieux se préparer. On va prendre cet arc. Oh. Parfait. Il a peur, hein? C'est le premier Sidon. Et je me prépare pour le combat que j'ai mal entrepris. Hey! Ouais, ou pas essayer de chier. C'est ça quand on est mal préparé. Mais probablement, il fallait avoir 20 flèches. Probablement. De toute façon, tu es capable de t'en sauver avec 4 flèches. C'était bon. Les flèches, c'était pourri. Vous avez deux versions, ok. Non. J'en ai reçu un en deux coups. Occupe-toi de la classe. Ah, je vais toucher. C'est parti. La fois, c'est que j'ai pas tenu. Là, je le maintiens. Vous n'avez pas maintenu, c'est juste pour ça. Bon. Voilà ta chance. Ah, je peux juste faire ça. Opéré comme technique celle-là. Mais je l'ai déjà fait. Classe nous gêne. Ah! Ah! Des flèches, hein? Non, c'est pas celle-là. Mais celle-là. D'accord.
celle-là. Ben bon ça, mais on fait tous les deux. Ben emmène-moi ailleurs là. Bien essayé. Allez, Link. J'ai quand même bien essayé. Hey, tant qu'à ça, c'est bien de faire ça. Qu'en pensez-vous? Oui, celle-là c'est le bon. Ça m'aura pas pris 20 flèches. Pas 10 flèches non plus. Mais 10 flèches aurait été correct. Ah. Le débit d'eau de toi s'est affaibli. Hein? Il se relève, tu es prêt à monter à l'intérieur. Je veux t'en rapprocher, bon courage. Au travail, Link. La créature divine a arrêté de déverser de l'eau. Bien sûr, ce n'était rien de plus que la première étape. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses.
Je te souhaite bonne chance. Nous nous reverrons au domaine Zora. Je t'y attendrai. Bon, ben, ça va être tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez bien aimé celle-ci. J'ai chaud comme ça. Je suis moins là-dedans parce que je suis aussi parce que j'ai chaud. Ouais. Tu es sain et sauf. Je le savais. Je savais qu'un jour, tu viendrais ici. Tu vas libérer Ruta de l'emprise de Ganon, n'est-ce pas? Dans ce cas, tu dois tout d'abord obtenir la carte représentant sa structure interne. Voici la pierre guide qui contient les informations de la carte. Il te faut l'atteindre. Comme que je disais, je suis désolé pour samedi qui n'ait pas eu de live. Désolé. J'avais des choses à faire malheureusement. Puis je suis revenu quand même assez tard, malheureusement. Bon, je suis sûr que je l'aurais pas fait parce que ça fait des peurs, on s'entend. Mais samedi, mercredi, je vais m'arranger. Par contre, j'ai chaud. Je vais m'arranger par contre de faire un live pour la Saint-Jean. Pourquoi pas sauve-tif comme d'habitude? Bon, sauve-tif la Saint-Jean, ça va bien, ça. Qu'en pensez-vous? En plus, du température, je sais pas comment descendre un peu. Là, on est bien, mais c'est juste avec le ressenteur, c'est une réchaufferette. J'ai pas d'air climatisé. Wouah. Alors, n'hésitez pas à rejoindre mon équipage sur le navire de l'Est. Vous pouvez toujours me suivre sur Facebook, Twitter, ou encore visiter mon site internet dans le lien sur le bannier de ma chaîne YouTube. Vous pouvez toujours vous aller sur mon serveur Discord, dont tout le monde est bienvenu. Alors, pour ça, je vous dis bonne journée, bonne soirée, surtout pour une nouvelle aventure. Pour ça, je vous dis. Merci à tous.